Bien oui, bienvenue en ce 22-23, en ce jeudi 23, chute éternelle, il y a un ange dans le cosmos, il y a un souci dans la galaxie. Le jeudi, c'est en ré. Tu comprends comment on te le met dans ta grosse ré, public? Tu comprends. Je vais faire deux ou trois nouveaux trucs. Là, je vais... un carton intelligent, on va dire. Ce bouquin-là, il est magique. L'échiquier fabuleux. On dirait que c'est moi qui l'ai écrit. Je l'ai fini, j'ai mis le tampon en toile. L'échiquier fabuleux. Et là, j'en ai commencé un autre et j'ai ramené les autres. La cousine a dit que... pas me faire chier à brancher l'ordi. Trafic stellaire. Pas mal. J'ai récupéré la moitié des bouquins au moins. Mais c'était pas pour dire ça. Tu vois, moi c'était pas pour dire ça. Et le 23e jour d'août, il leur dit. Faut plus aller comme ça. Il y a trop d'espèces incarnées qui ne comprennent rien. Pas possible. Les gens du pouvoir, ça va pas du tout. Il faut préparer leur sortie. Mais le perception, il est bien expliqué. Omelette. Le péritonite, oh là là, il fait mal. Enfin, pour l'instant, on s'en fout. L'essentiel sensoriel, l'essentiel. Un en Christ, ça veut dire ça, tu vois, faut comprendre dans le bocal. Faut pas bien filmer droit parce que de toute façon on n'y voit rien et on n'y voit rien. Bon. Un en Christ. Bon, tu colles le mal, tu te démerdes. Hashtag 18 sur 17. De 2VM, 2M. Après c'est l'énergie cinétique, après c'est monothéiste. L'épée de Damoclès, ça va, finalement, maintenant elle tranche les chrétiens, chrétiens. Mais j'étais pas content. Père leurs âmes, j'ai un crédit berbère illimité à l'épicerie, je dois au moins 1400 euros. Ce soir, j'ai pas droit à mon rosé. Ça, ça peut tout faire chambouler dans l'espace-temps. Si je suis clean, je maîtrise pas les pouvoirs. Je sais pas rien. Je suis quand même Chris de Nice. Chef d'état d'âme, ministre de l'extérieur, garagiste de l'âme, enfin chef d'atelier, tout ce que tu veux. Réparateur, d'ailleurs, je crois que je vais commencer à aller voir en psychiatrie si je peux pas réparer les fous et leur dire d'arrêter les cachetons. Pour moi, un psychiatre, c'est un criminel. Ça peut aider momentanément, mais c'est pas vrai. Après, ils augmentent les doses. Tous mes amis d'enfance, tous mes copains, tout ça, ils ont mis sous cacheton, ils sont tous complètement niqués de la tête. Bois un coup, fume un joint et prends pas de cacheton. Tu vois, les pharmacies, le serpent qui se mord la queue, là. N'oublie jamais que les laboratoires Bayer, ils étaient à 100 mètres d'Auschwitz. Ça, faut pas l'oublier. Qu'est-ce qu'ils ont dû recevoir, les bonnes femmes et les gosses, pour fabriquer des cachetons de merde qui a des gardes en bleu, des gardes en rouge, des gardes en vert, avec tous se faire enculer. La médecine est une putain, pile macro, c'est le pharmacien. Ouais. Tu dis ça parce que t'es malheureux? Non. C'est parce que t'en as plein les couilles. Finalement, la science-fiction, l'anticipation, c'est une science exacte. Tu vois qu'on est tout seul dans l'univers, toi. Les Sumériens, c'est bon, ils font 5 mètres pour déplacer des totems et des machins, ça va, ils étaient tranquilles. On nous ment, le gouvernement. Le gouvernement gouvernerait.
La tête à poupon qui revient, tu sais. Macron en boîte. Ça, c'est. Si ça, c'est pas des vendus de l'âme. Alors là, Stéphane Bern. Oh, Robespierre. Mais quelle merde la télé, putain. Qu'est-ce que vous êtes débile. Mais jetez-la par la fenêtre à la Zoole, sans déconner. Oh. Ouh, baby blue, ton 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 bref. Ouais, moi je dis ça comme ça, c'était pour faire présentation du soir. Pour dire que le jeudi, je le dis. Je te le dis, moi. Que je te le dis, que je te le dis, que c'est pas du Johnny. Ça, c'est pareil, c'est pas du vendu, les histoires pour l'héritage et tout. Oui, il était bien sur scène avec ses narines en or et de la coke partout, c'est comme, je sais pas, il s'appelle Delarue, bon ben il est mort, bon, voilà. Quand on a de la thune, on siffle de la coke. Quand on n'en a pas, je sais pas, on siffle de la colle à Russine. Et le tout, c'est de rester soi-même. De ne pas être normalisé, numérisé, photocopié, non, non. La vie sur Terre, c'est pas ça. Donc, tout le monde arrête de payer au 1er septembre. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Après, on fait caisse commune, l'autre faire fosse commune. D'un côté, tu as les collabos de système, de l'autre côté, tu auras les résistants. Et dedans, tu mets les alcooliques, les drogués, tu mets tout le monde, les pauvres. Les pauvres. C'est ça que les derniers seront les premiers et que je vous emmerde. Les riches, les mondains à cravate, là, je vais vous pendre par les couilles ou par la cravate. Non. C'est pas à gauche, c'est pas à droite, c'est tout droit. Ta gueule. Le bon Dieu il me dit comme ça et il t'emmerde. Enfin, surtout les suppôts de Satan du pouvoir de corrompu de mes deux, là. Tu comprends le Sénat ou tu comprends l'Assemblée, alors quand ils dorment pas, ils lisent le canard enchaîné. Mais la plupart du temps, c'est vide, hein. Mais ils votent des lois pendant ce temps-là. Oh. Amendement de mes couilles, un truc de machin. Eh! Si je te dis qu'il y en a plein les couilles, c'est qu'il y en a plein les couilles. Prochain mardi, la troisième loi. La troisième loi, c'est justement le TPU, Trésor Public Universel. Alors. Qu'est-ce que t'as? T'es pas content? Un petit peu pour tout le monde ou rien pour personne, sinon tout va péter. C'est pas possible autrement. Moi, je ne suis que le radio. Hein. Dans l'armée, j'étais au génie. C'est de l'acre 89-10, sous Mitterrand, Rocard. Putain, l'enveloppe de blague, t'es attaché ministériel. T'as une blague partout. T'as les mecs, ils avaient le 16e mois, 17e mois. Ils branlaient rien. Tu veux me faire la morale à moi? Pas faire de blagues, c'est pas bien. Mais t'as prêté serment à qui, espèce d'ordure? T'as protocole de mes deux, de qui, de quoi, là? De mes couilles? Hein? T'as qu'à donc prêter servrai pour un gouverne-vrai. Maintenant, on va être payé par la bonté, pas par la connerie. Ok? Je l'ai dit. Si t'es pas content, c'est exactement pareil. Ça coupe pas. C'est où le coupé? Mais c'est pas grave. L'argent, c'est mal. Être très riche, c'est très mal. Être très très riche, c'est très très mal. Alors, être milliardaire, être ça, c'est encore pire. Tu donnes 10 balles à la Croix-Rouge, mais va te faire enculer. Hein.